Oui. Tout ce temps que nous sommes, nous avons déjà eu à faire face à ce genre de questions. Peux-tu gifler telle personne pour 5 millions de dollars, 10 millions de dollars, 10 millions d'euros, etc., etc. Vous nous avez déjà fatigué avec ce genre de questions en 2019. C'était des filles, de belles filles. Mais en 2020, là, vous êtes sûr que vous allez nous amener des garçons? Des garçons, mais vous ne connaissez pas le problème des gens. Une gifle pour 5 millions d'euros, 10 millions d'euros, mais attends. Garçon, mais excusez-moi, mais la photo là, toi là, je vais te gifler une gifle remplie de santé, tu vas sentir la gifle. Tes oreilles vont siffler la prospérité, ta tête va chauffer de succès. Ça veut dire quoi ça? Une gifle pour des millions d'euros, des millions de dollars. Eh, mais attends, je te gifle, je m'achète une Lamborghini, je me construis des états. Pour une gifle, mais dis donc, si je te gifle, ta tête tourne, je peux te sortir un peu d'argent dans les millions, t'amener à l'hôpital, ils vont te coûter ça. Mais c'est quoi ça encore? Vous rencontrez une personne, il soit habillé, mais à la maison, il dort nu. Et vous lui posez la question de savoir s'il est capable de gifler une personne pour des millions de dollars. Mais acceptez Jésus dans votre vie, il va se tromper demain, il va même gifler avec le pied. Si c'est pas dans votre tête que Satan cueille des bananes sur un cocotier, vous allez vous calmer. Et nous arrêter ce genre de questions, mais c'est bête. Tu gifles personne et tu deviens millionnaire, mais c'est bête. Pourquoi on fait une question? On va s'attendre à quoi en 2021? Niama. Legendary Beats.